que vous allez bien. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo sur les tests de produits. Alors ben comme vous me connaissez, donc j'ai toujours mon petit chouchou, donc c'est la belle adresse. Et j'ai été sélectionnée donc comme ambassadrice pour les bougies IBA. Alors IBA ne font pas que des bougies, ils le font tout ce qui est désodorisant de maison. Donc aussi bien les diffuseurs capillaires, les mèches parfumées, ça doit être les petites enveloppes parfumées que l'on met dans le linge, et les petites billes. Donc ils ont toute une gamme de produits. Et ils ont les bougies. Et donc moi j'ai postulé pour être ambassadrice des bougies IBA. Et j'ai reçu donc 4 bougies, ça sent super bon. Donc moi j'avais sélectionné une bougie, donc il y a 4 senteurs différentes. Alors je vais vous montrer, elles sont super belles. Enfin, moi je suis dans la région lyonnaise et on fête le 8 décembre et ça me rappelle un petit peu les bougies du 8 décembre. Non seulement je ne vais pas les utiliser pour le 8 décembre pour les faire brûler toute la nuit, il en est hors de question. Mais bon, on aime bien ce genre de petits verres comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ils sont super chouettes. En plus, ça fait des dessins sur les murs, c'est joli. Alors, donc celle-ci est essence d'Orient, donc c'est aux huiles bio essentielles. Et donc, ça fait un effet photophore. Vous voyez, ça fait des petits dessins comme ça tout autour. Alors, celle-ci, c'est essence d'Orient. Alors, j'allais dire, mais c'est quoi ça? J'ai un... Comment ça s'appelle? Vous savez, ces trucs blancs, là. J'en ai plein de cartons qui est allé se coller dans la bougie. Et étant donné que c'est pas celle que je choisis, donc que je vais devoir les distribuer autour de moi pour les tester, bon, ben, c'est pas grave, ils se débrouilleront. Donc, ça sent... C'est sympathique. C'est pas l'odeur que j'ai choisie, mais c'est sympathique. Donc, essence d'Orient. J'ai l'impression qu'elles ont toutes des dessins un petit peu différents. Alors, celle-ci, c'est Escapade à Madagascar aux huiles essentielles. Alors, sûrement que... Invitation au voyage. Ambiance orientale. Voilà, donc... aux huiles aux notes de figues et de fleurs, celle-là et celle-là. Donc Escapade de Madagascar, donc là ça fait des petites fleurs. Donc 30 heures aussi. Donc c'est vanille boisée. C'est vrai que ça s'est un petit peu mélangé, mais ça va, c'est pas trop fort. Ouais, c'est sympathique aussi. Ça reste sucré. Et moi qui n'aime pas trop d'habitude les bougies la vanille, c'est pour ça que j'avais pas choisi celle-là. Je trouve que vraiment c'est une odeur relativement agréable. Alors après, celle-ci, ça fait des feuilles. Elles sont vraiment trop belles ces bougies. Toujours aux huiles bio. Donc c'est Escapade à Bali. Et alors, ces notes de fleurs de tiare, notes florales et de tiare. Donc, ah oui, celle-ci, elle sent beaucoup plus fort. Je crains peut-être un petit peu plus. C'est pas celle que je préfère. Mais bon, c'est goût. Et alors, ouais, donc c'est celle-ci. Et moi, j'ai choisi celle-ci, donc ça fait des feuilles de buis. Et c'est au coin du feu. Alors, aux notes boisées, une véritable invitation au voyage. Profitez de la chaleur en vous tente de la nouvelle bougie au coin du feu. Ah ouais, c'est incroyable. Ça sent, bon, un petit peu la cendre.
D'ailleurs, bon, vu que c'est la mienne, je vais l'allumer. Vous voyez, elles sont vraiment jolies. Bon, la couleur est peut-être un petit peu triste ou nette. C'est pas comme... Là, c'est un petit peu plus gai, mais... Alors, je vais voir ce que ça donne. Ah, puis... C'est pas de la cire. C'est du gel. Et ça fait des petites bulles. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, je vais l'allumer. Bon, là, je ne vais pas avoir l'effet photophore, même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, je vais voir ce que ça sent. Donc, je vais la laisser brûler un peu. Oula. La mèche, elle s'est éteinte. Bon. Est-ce que ça va repartir? C'est pas encore tout à fait éteint, mais je sais pas. Peut-être parce que j'ai mis mes doigts dessus. Je pensais que ça allait faire comme de la... C'est vrai que j'aurais dû y penser puisqu'elles sont transparentes. Bon, des fois... Alors, oui, pour vous reparler de ce test de produit, je suis en train de regarder ma bougie qui est en train de... Vous voyez, de... Ah si, on se croirait vraiment... ça sent le bois qui brûle, c'est vraiment... Moi, j'aime bien. Je mettrai à côté de ma cheminée. Enfin, ça, les questions de goût. Alors, quand... si vous venez à... Comment dire, à vous inscrire et à être ambassadrice à la belle adresse, donc vous aurez à distribuer, donc vous choisissez déjà votre bougie. Vous allez aussi à remplir des questionnaires, faire des photos, toutes bêtes avec... Enfin, il y aura toujours un thème. Et distribuer donc vos bougies et les personnes devront remplir un questionnaire et le renvoyer à la belle adresse en disant ce qu'ils ont pensé de leur bougie. Voilà, donc en ce qui concerne ce test de produit, franchement très très sympa. J'ai pas vu sur leur site d'autres tests de produits, donc je peux pas vous dire d'y aller en ce moment. Vous pouvez vous inscrire, ça n'empêche pas, comme ça vous serez au courant quand il y aura d'autres tests. Voilà donc pour cette vidéo de test de produit. Donc pour l'instant, je n'ai rien reçu de nouveau. C'est vrai qu'à force de m'inscrire un petit peu de partout entre les échantillons et les tests de produits, je ne sais plus trop ce que j'attends. Donc il va falloir vraiment que je tienne un carnet de bord avec toutes les inscriptions que je fais. Alors, si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de liker et de parler autour de vous pour avoir un petit peu plus d'abonnés, ce qui pourrait me permettre de tester d'autres produits plus facilement. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous !